Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Colline de Tara sur Crusader Kings 2. Une série dans laquelle on joue toujours le roi Indrektak de Mumu et dans laquelle on est occupé à préparer la succession plus qu'autre chose. Hein, on a créé une rivalité entre notre fils et nous, mais ça lui a permis d'obtenir le très fort ambition. Il a obtenu le trait luxure, le péché luxure, qui n'est pas forcément un drame. Même si on verra que ça peut être problématique dans le sens où, quand on lui aura trouvé une femme, ben il aura plus de fertilité. Ça lui donne quand même plus un intrigue, ce qui est pas mal. On voit qu'il a des stats qui deviennent correctes, hein, globalement, relativement correctes. Il est proche de la fin, donc au-delà de ces stats-là, je pense qu'il aura son bonus. Actuellement, il est en diplomatie, on est son tuteur, donc on pourrait peut-être imaginer négociateur charismatique, donc on pourrait imaginer qu'il gagne encore quelque chose comme 6 de diplomatie. Ça pourrait être assez intéressant. Ce sera un personnage tout à fait correct, du coup 6, 9, 11 et 6, ça devrait jouer bien, bien correctement. On pourrait hein, le fiancer tout de suite, essayer de trouver genre une génie, hein, pour commencer les eugéniques. Voilà, typiquement celle-là, courtisane. On va faire ça. Et puis du coup, en plus, il va pas perdre de prestige. Non, c'est, je pense, elle qui va perdre de prestige ou même. Non, il recevrait du prestige même. Très bien, c'est une bonne chose. Très peu, mais il recevra un peu. Ok. Et puis... Donc on voit un Osreig, maintenant c'est lui qui l'a, mais on voit qu'il a 1700 troupes, parce qu'il en a qui ont été créées par un événement, toujours. Donc si on devait l'attaquer, on attaquerait toutes ses troupes. Alors, je rencontre souvent Conversus Coleman lorsque j'exerce mes fonctions au nom de l'ordre des Dominicains, et c'est toujours un moment agréable. Nous pouvons parler pendant des heures, si le temps le permet, parce qu'il ne m'ennuie jamais. Bien que nos discussions soient souvent longues, nous semblons toujours être d'accord sur les questions les plus importantes. Je pense que c'est de l'amitié. Donc on devient amis, hein. En gros, ça veut dire qu'entre lui et moi, on a une... On passe à 100 de relations, hein, au lieu de 82, bon. Ou alors j'interprète probablement trop, puis on dirait pas amis. Donc non, bah devenons amis, y a pas de problème, quoi. Je crois, si on regarde, on va tout de suite voir ça, dans mes relations amis, vous voyez, lui c'est mon ami, et River, lui c'est mon rival. L'ordre des Dominicains a besoin de plus de fonds. Nous espérons que vous soyez capable de passer une partie de vos richesses. Nope. Je ne peux pas. J'en ai besoin d'une partie de mes richesses. C'est vraiment un des rares trucs dans lequel j'ai vraiment besoin. Ah, voilà, mon travail à Conacta a porté ses fruits. Par corruption, flatterie, extorsion, menaces et faux documents, j'ai réussi, etc., etc. Allez, plus en avant. Donc on va perdre 100 prestige. Ouais. Perdre 15 d'or, à peu près. Juste contrôlons quand même. Lui n'a pas trop de prestige, donc on devrait pouvoir, sans trop de problème, le battre. On va donc y aller. On va prendre notre revendication ici et on va aller lui déclarer la guerre. Je crois qu'il a 370 troupes et quelques. Nous, on a 630, 660. Donc, allons-y. Déclarer la guerre pour revendiquer Connaught. Très bien. Et hop, hop. Et on va demander aussi à notre vassal de venir nous aider. Voilà. Et donc, on voit qu'on a... plus de 1000 troupes au total, ce qui est très bien. Comme commandant, on a le commandant de Mumu, qui est plutôt un ailier. Donc on va le mettre là, on va voir si on peut essayer d'en chercher un autre. Hop. Alors on a notre commandant d'infanterie lourde, ce qui n'apporte pas grand chose, mais on va quand même le mettre. Et puis on va en mettre peut-être d'autres, ceux qui ont surtout des terres, bon ça sert pas à grand chose. Mettons-en un autre, on sait jamais. Pour le moment, ici, on va donc mettre notre... celui qu'on peut mettre, quoi, celui-ci, même s'il a que 6, pas énorme. Non, en plus, il est lâche, donc non, ça sert à rien. On va essayer de voir... Bon, je pourrais essayer d'en faire venir un autre dans la cour, mais bon, pour le moment, on va pas faire ça. On va laisser comme ça. Et puis, on va l'attaquer ici. Ok, on voit qu'il arrive à partir. Ah non, il n'arrive pas à partir, donc on le chope là-bas, très bien. Voilà, victoire, et puis on va assiéger. Alors, cette guerre ne se déroule pas comme prévu. Ah bon? J'ai perdu trop d'hommes pendant le combat et les sièges sont interminables. Mais laisse-moi le commencer. J'ai besoin de plus de soldats et d'armes de siège. Peut-être qu'un ami pourrait me venir en aide. Demander à mon ami de participer à la guerre. Non, en plus. Qu'est-ce que t'as comme troupe, toi? Ah, quand même. Mais non. Demander un soutien financier. Ouais, pourquoi pas. Ou bien gagner 10 de prestige. Non, gagner 10 de prestige, j'ai pas besoin d'aide du tout, quoi.
J'ai fait un chantier naval. Très bien, très bien, très bien. Donc là, on va commencer à pouvoir un petit peu faire des choses. On voit qu'actuellement, on n'a pas de bateau, mais qu'on pourrait en avoir 12. Et puis, je vous expliquerai un peu comment fonctionne le pillage, du coup. C'est plutôt cool. Ok, tant mieux. Donc là, on va gentiment prendre hop, ça. On n'a pas 100% de score de guerre, donc on va aller l'empêcher d'assiéger notre province, quelle qu'elle soit. Voilà. On va faire une bataille, et ça devrait plutôt être en notre faveur. Voilà, on est passé à 75 et on va aller assiéger le dernier fortin. C'est toujours intéressant d'assiéger particulièrement une église, parce qu'il doit y avoir un petit butin. Donc on voit que notre fils est devenu négociateur charismatique. Et j'ai réalisé l'ambition de préparer la succession. Très bien. Très bien. Alors, voilà, il a zéro hein, de nous. Donc il est rival, mais il a tellement d'opinions de nous de base que ça va bien. Donc il est. Ouais, 12 d'intrigue, 16 de diplomatie. Non, c'est cool. C'est cool. Un bon personnage, honnêtement. Très bien. Il est. Ah, par contre, il est rival de mon autre vassal. Bon, ça, c'est pas très bon, par contre. Ça, c'est pas très bon du tout. Ah, on verra, ça pourra peut-être nous aider. On voit qu'on a ici ce personnage qui est toujours là. On va le mettre ailleurs. On va. Alors, j'essaie juste de réfléchir. Je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 provinces dans le royaume d'Irlande. Il nous faut donc 7 pour pouvoir créer le royaume. Avec Connaught, j'en aurai 4. Donc, ça sert pas à grand-chose. Hein, je m'explique de prendre un deuxième duché. Si je prends un deuxième duché, je prends le risque, pardon, de perdre ce duché à la succession. Donc, ça ne me servirait pas à grand-chose forcément de prendre Breifney. D'aller faire une revendication, pardon, sur Breifney dans l'objectif de pouvoir récupérer ça. Ce qui m'intéresserait assez, moi, pour le moment, ce serait quand même d'essayer de me débarrasser de ce type-là. Donc on va peut-être essayer de faire une revendication sur son comté. Ici. Et puis, bah, on continue notre guerre pour le moment. Une forte amitié débute entre Rwangutak et l'évêque. D'accord. Pourquoi pas, mais bon, c'est pas un problème. Là, on voit qu'il est sur notre terre, mais qu'il n'a pas assez de troupes hein, pour assiéger notre province, donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc cette guerre va être tranquille, encore une fois. Ça va nous faire refaire passer, j'imagine, en prestige suffisamment haut pour pouvoir débloquer une armée tribale, si jamais. Voilà, 100% de score de guerre. Offrir la paix, appuyer nos exigences. Très bien. On est donc devenu maintenant le comte de Connaught. On a une ambition. On peut essayer de devenir roi d'Irlande, mais on va pas y arriver. Voir le pays prospérer ou constituer un trésor de guerre. Donc un trésor de guerre, il faudrait arriver à 500 d'or. Ça va être un peu compliqué. Prospérer, hein, essayons ça, pourquoi pas. Veut voir son pays prospérer. Si le pays de Indrektak est attaqué ou s'il déclenche une guerre, cette ambition échouera et ne pourra pas être reprise avant 5 ans. Tant que cette ambition est en cours, le risque global de révolte est réduit de 1%. Condition de réussite, à gouverner le pays dans la paix pendant 5 ans. Ok. Bon, je pense, honnêtement, que ça devrait passer. On verra bien ce qu'il en est. Alors, on a un autre vassal maintenant, théoriquement. On a un autre vassal religieux qui est l'évêque. Ici, qui pourrait être un bon maître espion. Ouais, alors je suis désolé pour toi, hein, tu nous auras été bien utile, tu as fait du bon boulot, mais je préfère mettre celui-là qui va nous donner du pognon du coup. Puis on va faire la même chose. Ouais, on va faire la même chose, il a quand même peu de chance de se faire repérer. Il a que 1% de chance de se faire repérer, il a 20% de chance de nous faire avancer. Donc continuons dans cette optique-là. Hein, vous voyez maintenant qu'on est. Waouh, on blob, c'est bien, c'est bien. Et puis donc pour le moment je suis ici avec mon chancelier dans le but de faire une revendication sur ce comté. Et si j'ai une revendication, je pourrais en théorie lui annuler son titre. Actuellement je peux pas, bien sûr. Hein, déjà j'irai à l'encontre de ce que veut le conseil. Bon ça on en discutera, faudra trouver un moyen hein, de s'occuper de ça. Mais en plus de ça, ce serait considéré comme tyrannique. Je suis extraordinaire. Ok. Je perds le trait humilité. Ah, ok. Mon physicien de la cour, évêque Dunukan, a suggéré que je lui achète de nouveaux équipements pour son laboratoire afin qu'il puisse accomplir des expériences plus poussées.
dépenser de l'argent pour les nouvelles fournitures de évêque de Nukan. Cela lui permettra sans doute d'améliorer ses aptitudes, même s'il n'y a que peu de certitude. Ou non, on va pas le faire, parce que honnêtement il est déjà assez vieux, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. De notre côté, on va voir où on en est au niveau de la flotte. On peut faire actuellement deux bateaux. Regardons, ouais, deux bateaux, pas plus. On va attendre un petit peu de pouvoir en faire plus, et puis on commencera à aller piller un petit peu les musulmans. Hein, en gros, chaque, si on regarde un petit peu les provinces, regardons dans les provinces musulmanes qu'on pourra piller. Celle-là, typiquement, vous voyez qu'il y a... donc ça, c'est tout l'argent qu'il y a dans le comté. Il y a 52 pièces d'or, a priori, dans le comté. Mais, sur ces 52 pièces d'or, il y en a 14,7... Enfin, il y a un bulletin maximal de 46%, mais il y en a 31 qui sont protégés par des fortifications et 14 qui ne le sont pas. Donc on va arriver sur le territoire, on va prendre directement 14. Enfin, pas directement. En restant un moment, on va prendre 14, petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive aux fortifications. Si on peut assiéger les fortifications, ça dépendra du nombre de troupes qu'on a, ça dépendra de la taille de ces fortifications, on pourra également, hein, on peut peut-être regarder, mais bon, il n'a pas l'air d'être énorme pour le moment, on pourra peut-être... prendre le reste, mais ça sera peu probable. Ici, typiquement, bah, vous voyez que là, par contre, butin possible 33. Là, butin possible 33 aussi. Donc on peut prendre 33 pièces d'or ici. Après, on peut stocker dans notre bateau 10 pièces d'or. Donc, si on a deux bateaux, on peut stocker maximum 20 pièces d'or. Si on a, je sais pas, 10 bateaux, on peut stocker maximum 100 pièces d'or dedans. Donc c'est ça qui pourrait être vraiment intéressant. Ok, très bien. Gagner encore un petit peu de tech. Hein, du coup, on pourrait aller chercher... bon, on va aller chercher l'organisation militaire. Tiens. C'est une bonne chose, à mon avis. Et puis, on continue. Un exilé juif. Pardon. Ah. Un exilé juif fuyant les persécutions ailleurs en Europe s'est présenté à votre cour. Son séjour à l'étranger lui a permis de tisser de nombreux liens et il faut admettre qu'il est bon diplomate. Il serait un excellent chancelier. Effectivement. Donc il y a un courtisan qui arrive dans ma cour pour le moment. Oui, même pas trop. Hein. Les joyaux compères de Urm. Mon shérif est venu me voir aujourd'hui, l'air troublé et boitant un peu. Monseigneur, j'ai bien peur d'avoir à vous annoncer de sombres nouvelles. Une bande de voleurs et de braconniers répondant au nom de joyaux compères de Urmumain rôde dans votre forêt. J'ai essayé de les retrouver, mais en vain, hélas. Ils m'ont chassé hors de la forêt à plusieurs reprises, et lors de ma dernière tentative, une flèche m'a atteint dans le postérieur. Pardon, continue. On gagne 10 de prestige et 60% de chance qu'ils se déplacent. Faut leur rendre un piège. 25% de... On obtient le trait fourberie. 40% de... Il se déplace. Ignorons-le tout simplement. J'obtiens le trait contentement. Donc contentement, c'est pas top. Fourberie, je suis pas sûr que ce soit top. On va essayer de gagner 10 de prestige, je pense, et d'avoir 60% de chance qu'il se déplace. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une chaîne d'événements que je connais pas. Donc on verra bien. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas. Alors, il y a quelques monastères à proximité où les membres laïcs de l'ordre des Dominicains se réunissent fréquemment. Ainsi, on s'attend à ce que j'assiste souvent à ces réunions et que je passe beaucoup de temps dans ces monastères pour entrer en contact avec les fondements monastiques de l'ordre. Une telle période est sur le point de commencer. Je vais remplir mes devoirs. Très bien. Les amis de mes amis sont mes amis. C'est une devise que j'essaie d'appliquer au quotidien et parfois, c'est une vérité simple. Un ami d'un ami m'a été présenté et j'ai immédiatement senti que le courant passait avec cet étranger. J'espère que nous pourrons devenir amis. Une amitié en commun n'implique pas que nous en... Je sais pas quoi. Donc on peut décider de rien ou de perdre 5 d'amitié avec tout le monde. Non, on va éviter. Voyons voir, où est-ce qu'on en est d'un point de vue flotte. On peut faire 3 bateaux, c'est lent, hein, mais ça va venir. Je déteste l'évêque, machin chose. Donc c'est l'évêque, de... ok, d'accord. Une intense rivalité s'installe entre lui et moi. Ok. J'ai plein de rivaux, c'est cool. Dont mon fils, hein, on voit que malgré ma rivalité, on a quand même un plus 17 d'opinion avec. C'est assez fun, je dois dire. On va essayer de lui donner un titre honorifique, d'ailleurs. Les chansons... On va le désigner comme régent, tiens.
Ah, ça va lui faire a priori 20 de plus. 10 de plus, pardon. Je suis au monastère depuis quelques jours, entouré par d'autres qui partagent ma passion pour Dieu. Et pourtant, je trouve toujours que je manque d'amis. Oblatus, You et moi semblons nous entendre assez bien. Cependant, peut-être que cela pourrait évoluer en une véritable amitié si nous faisions quelque chose ensemble. Je suis sûr qu'il apprécierait beaucoup. D'accord. Ah, c'est pas You, c'est Hugues, purement. C'est le duc de Haute-Bourgogne. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc jouer à un jeu de stratégie militaire. Alors toi t'es quoi? Militaire t'es pas très très bon. Hein. Sociabilité, charité, cruauté, ok. Contentement, sens de la justice. Cruauté, contentement, sens de la justice. J'ai un petit peu de peine à imaginer. Ah je vais. Ah mais non, c'est pas. C'est un peu bizarre, cynisme, ok. Ok, donc Bible, mais non, s'il est cynique, pas trop. Jeu de stratégie militaire, bof. Discuter des subtilités à gérer un royaume. Il est content, donc je pense pas trop en fait. Faire une promenade et parler de tout et de rien. Plutôt, hein, c'est quelqu'un de sociable. Je pense que si ça tient compte de ses traits, sinon je suis pas absolument certain, cela dit. Je pense que ça pourrait peut-être être le mieux. Continuons. Toujours en train d'essayer de faire une revendication, cette fois-ci sur nos terres. Duc Hugues a vraiment apprécié ma suggestion et nous avons forgé une amitié. Nous nous voyons régulièrement pendant notre temps libre et je commence à remarquer que cela affecte mon attention sur mes devoirs monastiques. Se concentrer sur mes devoirs, c'est pourquoi je suis ici après tout. Une forte amitié débute, je gagne 25 de piété. Roi Indolact obtient, a choisi de se concentrer sur les études jusqu'au 7 octobre 1801, donc pendant 10 ans, érudition plus 3. Une forte amitié. Pff, quel est le mal? 50% de chance que j'obtienne le trait sociabilité. Ah ouais. Ou 50% de chance d'aucun effet. On va essayer d'obtenir le trait sociabilité. Ah, on n'a pas réussi malheureusement. C'est dommage, mais ça aurait été cool. Est-ce que je peux essayer d'enseigner une vertu? Toujours pas? Non, hein. Pourquoi? Parce que... ouais, il a l'opinion toujours à transmettre une vertu, donc c'est bien ça. Jusqu'en 795, je peux pas. Je réessayerai quand même. Par contre, je dois pouvoir lui enlever un péché, peut-être. Non? Donner des conseils spirituels. Voilà, je pourrais lui faire perdre... Luxure. Est-ce que je veux lui faire perdre luxure? Plus 1 d'intrigue. Il perd de la piété. Religieux chrétien, moins 5. C'est pas dramatique, hein. 20% de fertilité, ça peut être quand même utile. Ouais, on sait pas, hein, du coup. Vivacité? J'avais pas cherché génie, moi. C'est pas grave, vivacité c'est déjà intéressant. J'hésite à lui faire perdre la luxure du coup. Pour 300 points, bon, on me dirait que je les ai, mais je pourrais aussi essayer de devenir conversus. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que conversus? On peut convertir un comté, on s'en moque, on avait dit. Hein. Ouais, ok, on va lui faire perdre ça. J'ai fourni suffisamment de conseils spirituels à Flan pour le libérer de ses mauvais penchants. On imagine hein, le gars qui nous considère comme un. Comme son rival. Allez, arrête, arrête de baiser dans tous les coins. Allez, allez, arrête, arrête. T'es tellement gonflant. Mais enfin bon, bref, ça marche. Donc il est plus ça. Donc ouais, fantastique, très bien. Gagner des techs, toujours bon à prendre, hein. Quel que soit X, j'ai envie de dire. Hein, vous voyez que les techs, ça fonctionne par comté. Hein. Donc actuellement, les techs qu'on voit quand on clique là, c'est les techs de notre capitale. Si je vais sur ce comté, on voit ici, hein, donc qu'on n'a pas les mêmes techs, tout à fait. Tac, tac, tac. Et que je peux utiliser des points probablement pour faire monter un autre comté si je décide. Actuellement, j'aimerais faire plutôt monter ici, donc on pourrait imaginer faire monter nos coutumes populaires, pourquoi pas, mais c'est pas forcément important pour le moment. Je préfère garder ces points ici pour le légalisme. Et puis on peut regarder, hein, ici on voit sur les techs, j'ai 2, 6, 6, ici j'ai 0, 6, 6, 0, 6, 6, 0, 6, 6. Donc pour le moment on est bien, on est mieux que la norme avec nos 2-6-6. Lui est mieux, j'imagine si on va genre à Londres, 0-6-6, ici 2-6-6 aussi, 2-6-6. Voilà. Je voulais regarder un peu au niveau des lois ce qu'on pourrait faire. On pourrait aller chercher l'organisation tribale élevée. Ou la centralisation faible. Hein. Centralisation change. Plus on va aller vers max, plus on va gagner de taille de notre domaine et plus on va perdre du nombre de vassaux limite. Actuellement, on est à 3 sur 4 et 1 sur 8, donc ce serait intéressant pour nous d'aller plutôt là-dedans. Mais je préfère quand même augmenter mon organisation tribale. Allons-y. Voilà. Et puis ici, on va continuer à vouloir aller chercher ça. Mais ça ne devrait pas tarder d'ailleurs, parce qu'on devrait pouvoir bientôt commencer à...
avoir suffisamment de bateaux pour que ça devienne intéressant pour nous d'aller chercher, d'aller piller. Je pense que quand on a 5 bateaux, on va déjà aller faire une première expédition. Ma décision de devenir célibataire était personnelle et j'ai trouvé très perturbant que Duc Hugues me pose toutes ces questions sur le célibat, ce que ça signifiait et mes motivations. J'ai essayé de lui expliquer de façon aussi précise que possible et Duc Hugues a, c'est horrible à dire Duc Hugues, a écouté avec une attention extrême tout ce que j'avais à lui dire. Mais je ne pense pas que le célibat soit quelque chose de bon pour vous. L'opinion de Duc Hugues envers Roi change de Troie pendant 2 ans. Est triste d'apprendre que Reine d'Octac croit qu'il n'a pas la volonté suffisante pour le célibat. Tout le monde devrait essayer le célibat. Ouais, c'est bien le célibat, tu devrais essayer. Ok. En dehors de ça, moi je pourrais presque en ressortir. Là, j'ai quand même une femme encore qui est en âge de procréer, donc non. On va éviter d'en sortir pour le moment, surtout que mon fils fonctionne. Je deviens anxieux. Ouais, c'est le film, toute cette pression. Ok. C'est un piège. Mon shérif et moi avons discuté des mesures à prendre en ce qui concerne ces hors-la-loi et avons eu 2 idées. Chaque homme et femme s'étant fait harceler par ces bandits, y compris le shérif, a entendu dire que le chef de la bande était un archer exceptionnel. Un concours de tir à l'arc pourrait l'attirer hors de sa bien-aimée forêt. Non, les gars, sérieusement. Je suis pas le shérif de Nottingham ou bien Prince Jean. Une autre possibilité serait d'utiliser un déguisement pour dénicher le bandit et ensuite de le traîner devant la justice. Trop risqué. On perd de 10 de prestige et on obtient très lâcheté. Mais... un concours de tir à l'arc, bien sûr. L'opinion de l'évêque Donucan envers Roi Indrektak change de plus 15. Nous organisons un concours de tir à l'arc. Un déguisement bien pensé devrait fonctionner. J'obtiendrai le trait fourberie et je gagnerai 10 de prestige. Qu'est-ce que ça me donne, fourberie? Là. Plus 3 d'intrigue, moins 2 de diplomatie. On veut vraiment devenir fourbe maintenant, quoi. Un diable déguisé, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air assez fun, cela dit. Il faudrait qu'on regarde. Ou sinon, concours de tir à l'arc. Ouais, allez, choisissons le concours de tir à l'arc. Et puis, bien, on va s'arrêter là pour cet épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.